C'est quoi la vie d'une joueuse de foot aujourd'hui? La réponse avec Aurore Papriski. Alors, je m'appelle Aurore Papriski, j'ai 25 ans, je suis joueuse du LOSC et je suis milieu de terrain. Aujourd'hui, je commence à 9h30, comme 2 jours et demi par semaine. Je travaille à l'association du LOSC, au service communication. Alice t'emmène avec moi toute la journée. Donc là, c'est là où tu travailles? Ouais, c'est ça, domaine de Luchin. Voilà. Centre de formation des jeunes, centre de formation des pros aussi. Avec Des féminines, ouais. Avec les terrains d'entraînement, le terrain de la N2 et de nous, des féminines. Okay. Là-bas, au loin, il y a tous les terrains d'entraînement. Et derrière, là-bas, c'est tout ce qui concerne les pros. Mais ils sont un peu cachés. Voilà. Le bâtiment, il est typique, avec les petites briques rouges. Il est vraiment beau comme centre de formation. C'est super joli. Ouais. Et là, on arrive au Dobbs, c'est symbole emblématique du club. Ok. Et du coup, chaque joueur, chaque joueuse, quand on vient ici ou quand il signe, on fait une petite photo. C'est bon, j'en ai pris plusieurs. Cool, merci. Et toi, alors, tu travailles à la communication, c'est ça, de l'association du LOSC? Ouais, donc je suis en CDD au LOSC et du coup, je gère toute la communication en ce qui concerne les féminines. Ah ouais, là, c'est les classes. Ouais, c'est ça, les classes. C'est quelle classe? Terminale, première, CAP. On travaille à le bureau des coachs, analyse vidéo aussi. Ok. Là, c'est le bureau des coachs garçons. Mm-hmm. Enfin, notre bureau avec les filles. Ton espace de travail. C'est ça. Ok. Donc là, c'est ton poste. C'est ça, mon petit bureau. Ok. 2 jours par semaine, hein, tu es là. 2 jours et demi, ouais. 2 jours et demi. Et du coup, c'est de la com à fond. C'est ça, ouais. Après, il y a 2 filles, Salomé et Agathe, qui travaillent avec moi, et qui gèrent tous les réseaux sociaux. Pour animer, pour faire venir du monde, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe au LOSC chez les féminines, quoi. Et alors, tu joues pour le LOSC, tu travailles pour le LOSC. Ouais, c'est tout LOSC. Associer le foot et le travail, c'est important? Bah, il faut, ouais, surtout dans le foot féminin, on gagne pas comme les garçons, donc on est obligé de travailler. Mmh. Après, pour travailler pour le club pour lequel je joue, c'est encore mieux. Et on n'a pas le choix, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Hein. Et tes journées sont longues, toi tu finis à quelle heure? Parce qu'après, il y a l'entraînement. Ouais, j'enchaîne avec l'entraînement. Je commence à 9h30 jusqu'à 15h30, 16h, et après je file au stade, je m'entraîne à 17h jusqu'à 18h30. Concernant ce soir, 3 temps, 3 parties. Une première partie en exercice technique là-bas au fond. Ensuite, on enchaînera avec du 3 contre 3. Et ensuite, on finira par une dernière partie qui sera décomposée en 3 aussi. Bon, Aurore, merci beaucoup. Merci à toi. Ah non, mais vraiment, là, je sais que voilà, je préfère que ce soit toi qui sois sur le terrain et qui joue dimanche et tous les autres dimanches. Et voilà, et tu gagnes tous les matchs. Moi, je te laisse la place. Là, je crois que. Enfin, tu m'engages pas. On est d'accord. Bah, si tu veux revenir, viens, avec plaisir. Hein. Ouais, mais pour. Voilà. En temps comme ça, pour des petits jeux amateurs, quoi. Voilà, je te laisse la place. En tout cas, c'était terrible.